Bienvenue sur le Labo des réseaux. Dans ce tuto, on va voir comment retrouver l'origine d'une image grâce à Google Images. Pour pouvoir activer Google Images, c'est simple. Vous vous rendez dans Google, vous tapez Google Images pour accéder au moteur de recherche Google Images. Ici, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui vient de s'afficher, la recherche par image. Soit on colle l'URL de l'image pour essayer de retrouver l'image sur Google à condition que celle-ci soit accessible. Soit on peut directement importer l'image en la glissant ou en la chargeant. C'est ce qu'on va faire avec cette image-ci. Pour retrouver l'origine de celle-ci, à noter que ici, vous voyez, nous sommes sur une image de femme qui est une image libre de droit, mais qui est utilisée par plusieurs sites, notamment des faux profils qui pourraient être liés à des arnaques. Donc cet outil-là, il peut vous servir aussi à démasquer des faux profils en glissant simplement l'image sur Google Images pour avoir accès aux copies de cette image qui peuvent être présentes sur le net. Je vous en avais déjà parlé sur la vidéo reconnaître un faux profil. Si vous ne le faites pas avec Google Images, vous pouvez aussi le faire avec le site tinyeye.com. Je vous mets le lien qui renvoie à la vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne juste ici. Mais déjà avec Google Images, vous pouvez facilement trouver l'origine d'une image et ainsi voir si elle est authentique ou non. C'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur le Labo des réseaux pour l'ensemble des tutos autour de tout les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.